Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Sky, chers amis. Normalement voilà, le petit lag, ça indique que le titre va apparaître, c'est compliqué pour le jeu de faire apparaître le titre apparemment. Donc nous voilà toujours au même endroit, voilà, crac. Oui parce qu'il faut savoir que chaque fois que je fais un tournage, je vais relancer le jeu, hein. Merci les jeux en OpenGL. Bref, on va faire un petit tour. On va aller regarder vite fait si on trouve pas un grand caillou tout droit. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Nous cherchons, je le rappelle, de l'iridium. Il y a apparemment là-bas quelque chose à aller checker. Ok, effectivement, ça a l'air intéressant. Il y a un gros caillou à droite. Ça m'intéresse, il y en a même deux. Ça m'intéresse donc énormément et je pense que ça en est, chers amis. Ah, apparemment, il y a des bestioles que je n'ai pas scannées un peu plus bas. Bestioles marines ? Eh bah putain. Bravo le jeu. Franchement, là, les développeurs vous chiez dessus, hein. C'est un petit peu violent ce que je dis, mais franchement, entre le jeu qui est complètement buggé sur PC et qui est plus beau sur console, de l'iridium, ça y est. What? Ah, ça m'a pas enregistré ce que j'avais envoyé, d'accord. Attends, je fais quoi là? Je transfère, on est d'accord. Je peux en avoir 500 ici, 500, et moi sur moi je peux en avoir combien? 150. J'espère que je transfère pas dans le vide, hein. Un jeu. Voilà. Hop. Hop, recharge. Hop, surchauffe, c'est pas grave. Qu'est-ce que... Oulala. Il y a des trucs bizarres cette planète, hein. Hop. Des trucs bizarres cette planète. Nous sommes à combien d'iridium? Plus de 250. On récupère tout, hein. Des fois qu'il faille de l'iridium pour construire l'autre pièce. Défaillante, carrément. Et écoute, on va rentrer dans la maison là-bas, puis ce sera bon. Et d'abord... J'ai envie de voir ce qui s'allume rouge là-bas. Merci pour le plutonium. C'est juste une plante, d'accord Marcus. N'aie pas peur Marcus, c'est que des plantes. Hop. Ok. On va prendre le point de sauvegarde vite fait. J'espère que j'ai pas viré les trucs de mon inventaire, ça me saoule, j'ai les boules maintenant. J'ai les boules. J'ai pas de passe atlas, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Passe atlas V1 nécessaire. On va pas savoir. Hein. Porte-bonheur, geek. Bah écoute. Oh là! À l'abandon. D'accord. Oh, il y a même un bug. Regardez sur le. Non, c'est juste que ça s'est ouvert. Je sais pas. Utilisant l'électrophilie terminale activée, déverrouillage du journal de bord pour l'analyse. On aurait dit une blessure sur le monde rouge et déchiré comme un être autrefois vivant ayant été déchiqueté. J'aurais dû rester à l'écart. Si j'avais songé à goûter à l'air de cette planète, j'aurais probablement senti une fétidité extraterrestre, mais rien ne pouvait stopper ma curiosité. Était-il mort lorsque je le touchais? La surface était humide et molle. Il sembla alors se mouvoir, ramper sur un tapis de cils lents, s'éloigner de moi. J'aurais dû le laisser tranquille.
Je découvre quelque chose codé dans les méandres du journal de bord d'un voyageur mort depuis longtemps. Il est laissé de quoi faciliter mon propre voyage. Nouvelle technologie, suppresseur de toxines. D'accord. D'accord. Ça peut être pratique pour plus tard. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Plutonium. Oh, c'est limite glauque, hein. Premier secours. Santé déjà au max. Je n'aurais pas dû le toucher, qu'il avait dit. Wow. Qu'est-ce qui m'a touché, là? Oui, bah j'aimerais bien pouvoir rentrer dans le menu, mais... D'accord, une espèce de gaz tout autour. Une espèce de gaz tout autour. Je vais quand même aller chercher le point derrière. Parce que je suis un fou. Restaurer le bouclier, voilà. Votre protection augmente, d'accord. Cool, je suppose. C'est vivant tout ça quand même, hein. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ok. Cependant, je vois pas comment je fabrique l'autre trou du cul de... Déjà, il faudra récupérer des choses ici. Hop, déjà, on va commencer par ça. Crac. Voilà. Ça, c'est fait. Le fer, je peux le reposer. Installer une technologie, ça m'intéresse pas pour l'instant en tout cas. Ça, je peux le reprendre. Voilà, je voudrais par exemple installer ceci. Il me faut un résonateur, fabriquer des produits dans l'inventaire. Résonateur dynamique. Et je l'ai pas, ça, on est d'accord. J'aimerais bien l'avoir, mais je l'ai pas. Résonateur dynamique. Tissu à micro-densité. Alors je me demande s'il faut pas que je fasse ça. Mais bon. Fluide de suspension. Non, ça doit pas être ça, c'est pas possible. Je pense qu'il faut que je monte l'acheter là-haut en fait. C'est ça le truc. Sur une autre planète. Enfin sur le truc là-bas là. Justement. Sur ce truc. Là. Bah écoutez, on y va. Allez hop. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Fabriquer, de toute façon, vous voyez, fabriquer l'hyperpropulsion, rendez-vous à la station spatiale. Donc voilà, c'est bien ça. On y va. Hop. Activons le turbo. Heureusement qu'on avait fait le plein. Heureusement qu'on avait fait le plein. Ça consomme, ça consomme, ça consomme. Bon. Alors je trouve que les... Enfin en fait c'était pas un temps de chargement, j'avais dit que c'est un temps de chargement. Mais je trouve que c'est... Très particulier comme parti pris ce genre de truc. Enfin bon, c'est mon avis. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner sur le long terme. Hop, 10 secondes. Je crois que je me bouffe des cailloux. Hein. Je suis certain de me bouffer des cailloux. Par contre, on va arriver dans la station, ça va pas être bon. Plus sur la... Voilà, voilà, proximité de la station. Wow! Et c'est moi qui pilote ou c'est... C'est moi qui pilote. Là, c'est plus moi, là. Là, c'est plus moi. Ok. Pourquoi pas, hein. Oh, y a plein de places de parking, dis donc. Bonjour. Bonjour. Ok. Oh, bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, le vaisseau. Hello there. Interagir. Interagir, pardon. Bonjour. Oh, t'es moche. Relation particulière. Ah, poli. Poids. Poids. Important, Usben. Pour le vaisseau de la forme de vivant dans les articles à la forme de vie. Non bah écoute, non, excuse-moi. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Oh, il est moche ton vaisseau. Par contre tu dois avoir tellement de place dedans. Par contre, oui non là. En fait non, il est moche mais j'adore la place de parking en fait, comment qu'il se gare.
Là bah y'a une porte, j'ai commencé par celle-là, on verra bien. Ah je peux pas utiliser mon boost ici, quel dommage. Je peux utiliser que mon sprint et encore. Oh, ça s'ouvre. Bonjour. D'accord. Passat Las V3. Bonjour. J'aime bien. Santé au maximum. Oh, ça restaure la santé. Bonjour. Oh. Nouvelle technologie, grenade rebondissante. Ça m'intéresse pas les grenades. J'ai pas d'armes déjà, donc pourquoi je m'intéresse. Oh. Lire l'encyclopédie, vous avez pris le mot guerrier en bikini. Dispositif. Bouclier au maximum. Oh, ça me restaure les boucliers. Bonjour. T'es bizarre. Quoi, d'homme importable, joie, abs, vikini, yakiki, oué, aïe, wama, bigezourg. Avec un brasier dans les yeux, cet aspect c'est clairement agressif, je doute que ma présence soit appréciée, mais la forme de vie s'incline en signe de bienvenue. Elle semble se plier au précepte de la tradition et de l'honneur, je ne ressens pas le danger immédiat et je m'apprête à tourner les talons. À partir quand la créature monte mon multi-outil, elle bat avec un culte puis fait un geste suggérant que je devrais lui remettre. Non. Acheter des articles dans le réseau commercial. Un résonateur dynamique. Il m'en faut un pour 32 000 crédits. Oh. Oh, j'ai mal à mon cul. J'ai mal à mon cul. Oh, j'ai mal. Ouf. Oh mon cul. Oh mon cul, qu'est-ce que j'ai mal. Oh putain. Oh j'ai mal. Oh mon pauvre cul. Tu as pris tellement cher. Si j'en avais un derrière, un résonateur, un multi-outil, je dirais oui, mais non. Clairement non, je n'en ai pas. Alimenter l'hyperpropulsion, d'accord. Qui s'alimente avec du caca. La cellule de distorsion, bah oui bien sûr, c'est tellement logique dit comme ça. Et la cellule de distorsion, on l'a vu tout à l'heure, la cellule de distorsion tout à l'heure, on l'a vu, voilà. Du tamium et de l'antimatière, rien que ça. Le tamium encore, c'est pas compliqué à trouver, hein, mais... Le tamium, c'est pas compliqué à trouver, mais l'antimatière... Oh, oui, oui, j'ai pas le droit d'y aller dans la zone là-bas. Bon, le jeu est méchant. Bon, c'est pas grave. Antimatière. Alors ça, si ça coûte encore la peau du cul, je suis pas dans la... Antimatière. Allez, vas-y, fais péter le prix de ton antimatière. Termine. Ah bah comme ça, il y en a pas. Et donc, l'antimatière, ça se fait comment? Je le chie? Je le chie peut-être. Tiens, bouffe ça. Bouffe ça. Tout ce qui est vert, apparemment, je peux le revendre. Hein, donc, c'est fait pour être vendu. Ok. Bon, il va falloir que je trouve de l'antimatière, là autre chose. Hop là. Oh, il est sympa son petit vaisseau. Aïe. Je me suis pété au moins 3 chevilles. Et 4 tibias. Bon, on y va. Ah bon? C'est par où? Wow. Arrivé dans 15 minutes à l'avant-poste. Ok, bah écoute, pourquoi pas. On y va. Hop. On y va. Crac, plus sur l'acteur, c'est bien interférence planétaire. Oh, c'est ouvert. Oh là, je me suis pris des jets violents là. Allez. Oh là là, le contrôle à la souris, c'est...
C'est pas ce que je monte de plus, Il y a des trucs bizarres, au sol. Qu'est-ce que... Oh là là, le système d'atterrissage est... Cool. Oh, c'est joli, c'est ouvert. Ah bah là, là quand je vois ça, je me dis que le jeu est joli. Vous voyez? Ça c'est pas trop moche. Honnêtement, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour le dire. Hein. Ok, bon. Hello. Analyser la technologie de multi-outils. Oula. Élargis le cône destruction des tirs du lance-foudre, d'accord. Donc ça fait un shotgun. Ce qui peut être juste génial si j'avais un vrai lance-foudre. Enfin, si j'avais un vrai fusil, quoi. Mais bon. Yo, yo l'ami. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, il est sympa, hein. 41 000 unités, va te faire foutre. Bonjour. D'accord. Pagnam gigzwa bumgima togmotong. Oi rummenin. Gaida rudo ikaali ki amyong. J'entre et le être rugit dans ma direction, mais à peine ai-je le temps de battre en retraite qu'il est déjà embarrassé et lève les mains, l'air de s'excuser. Ce combattant semble nerveux, mais il est clair qu'il m'attendait. Comme auparavant, il me transmet un message encore une fois encore envoyé par Nada et Polo. La lettre concise est accompagnée d'un don d'antimatière de la part de ces mystérieux bienfaiteurs, suffisamment pour que je puisse fabriquer une cellule de distorsion pour l'hyperpollution. D'accord, prendre l'antimatière. On ne sait pas davantage de qui sont Nada et Polo, mais je peux maintenant les situer. Je soupçonne fort d'avoir choisi. De devoir choisir entre les voir et j'ai pas le temps de voir la suite. Merde, si j'avais pas. C'était pas aussi chiant pour avoir le. Le combat. Attends, déjà je suis pas bon en récupération d'objets, alors en plus si tu me mets du truc de combat. On a un truc de marché là-bas. 93 tamium. Écoute, le tamium, je vais aller le récupérer, moi, dans l'espace. Nous ne sommes pas seuls. Je vais récupérer mon vaisseau, récupérer un peu de plutonium. Oh, la grosse, grosse ressource de plutonium. Oh. Ah, ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. Hein. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une attaque comme ça, sans sommation? Ok, bon bah on sauvegarde. Je bouffe une attaque comme ça qui sort de nulle part, sans sommation, y'a rien. C'est cool. Bon, j'aurais peut-être dû faire une copie de l'autre épisode et commencer le montage, parce que 2 heures de montage, ça va être violent. Bon, c'est pas grave. Vaisseau vaisseau à nous. Hop, on y va. On va dans l'espace, chers amis. Au passage. On fait le plein. Hop. Qu'est-ce que... D'accord, si je mange pas le truc, il ne sort pas de la planète. Ok, ça devrait être bon. Voilà. On va récupérer un petit peu de tamium. Hop. Oh, le gros caillou. Du cuivre, d'accord. C'est pas vraiment ce que je recherchais à la base, mais apparemment il y a que du cuivre là-dedans. Ok, bah écoute, je vais le prendre apparemment, hein, on l'a pas trouvé encore. Hop.
Et... question, à quelle portée je peux récupérer des objets? Pourquoi faut que je tire si haut? Bon, apparemment ça le détruit pas. Ça c'est clair. Hop. Là ça l'a un petit peu détruit. Hop. Donc là je devrais être bon. Inventaire vaisseau. Hop. Fabriquer produit. Alors du coup je peux... voilà. Hop, vaisseau. Chargé. Ok, juste pour un saut à mon avis. On voit la carte de la galaxie en appuyant sur M. D'accord. C'est joli. Là, je peux pas dire que c'est pas joli. Ok. Ok, mais je... on m'a dit de... alors attends, ouvrez la carte de la galaxie, activez l'hyperpropulsion. D'accord. Et est-ce que j'ai le droit à un menu avec des missions, non? Avec marqué mission, découverte, voyage, tout ça. Parce que du coup, s'il faut que j'aille voir les deux trous du cul, que j'ai pas vu la fin du truc. Bon, de toute façon, apparemment, je peux aller dans un endroit. Intéressant, en tout cas. Bon, bah écoute. Distorsion. Ouh. Je vois la lumière au bout du tunnel! Je vois la lumière au bout du tunnel, chers amis. C'est la fin. C'est la fin des haricots. Je suis mouru. Ah, je le sens, le froid. Non, c'est bon. Oula, oula, calmez-vous. On se calme. Activez le voyage galactique. Accompli. Bon. Ensuite. Toujours plus de tamium. Obtenez la recette de l'antimatière. D'accord. Donc par principe, j'ai scanné le système. Installation de production détectée. D'accord. Bah écoute, why not? Arrivé dans 2 heures, installation de production. What the f... jusqu'à l'usine extraterrestre. D'accord. Bah écoute, on y va. Je dirais même que nous sommes partis. Ok, c'est très bizarre. Hein. Jusque là, je... enfin, je me sens en fait pas tenu par la main, mais plus par la manche. Et que ça va se lâcher au bout de quelques secondes, à vrai dire. Oh, ça se guide automatiquement, c'est cool. Boum. Ah, c'est très désertique. Fait chaud dans le coin, par contre. Fait chaud dans le coin, par contre, hein. Oh, dis donc. Oui, c'est... pourquoi mon vaisseau est en flamme? Je sais pourquoi, n'inquiétez pas, chers amis. C'est juste que, voilà, c'est juste qu'il fait chaud, quoi. Okay. Ah. Ok. Il y a du verre, là-bas. Regardez, regardez. T'as vu? Bref. Hello there. Ok. Ok. On va prendre le point de sauvegarde quand même avant. Oh la... oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Herbivore ou carnivore? Substance nutritive absorbée.
C'est mignon. Heureux, élément oxydé. Docile, oh docile. Vous croyez que je peux les monter? Oh, ça serait cool de pouvoir monter des bestioles au bout d'un moment. Ce serait vraiment très cool. Attention parce que j'ai peur qu'en me scannant lui Oh putain, mais il pleut de l'acide. C'est pour ça que j'ai le truc à gauche. D'accord, bah je rentre. Merde. D'accord. De une. Où est l'autre? Ok, de deux. J'ai qu'à en voir une autre. Putain, c'est des bestioles! Oh my god! Bon, lui il est coincé derrière, donc je peux peut-être tout casser comme ça. Ok, c'est bon, on recharge. Il est complètement coincé ce con. Toi qui rappelle pas des copines. Hop, et bonjour. Ah, il m'a perdu de vue, d'accord. Technologie de multi-outils, tir rapide, d'accord. Ça va donner une SMG à la fin, quoi. Bref. Qu'est-ce que c'est? Santé au maximum, d'accord. Chaîne de montage, ok. Quelque part sous mes pieds, j'entends le grondement continu d'une machine automatisée. Je ne connais pas son rôle ni ses propriétaires. Un écran se met à clignoter et des lettres s'inscrivent. Nada, 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 fuyez Atlas, trouvez-nous, nada, nada. Puis une formule apparaît, elle me permet de fabriquer la propre antimatière. Prendre la formule antimatière. D'accord. Fort de ce savoir, je peux créer des cellules de distorsion, les derniers éléments de l'énigme. Dernièrement, je peux aller où bon me semble, mais devrais-je plutôt suivre Atlas ou encore aller chercher Nada et Polo. Vapeur à électrons, d'accord. Cool. Finalement, c'est assez cool. Ce que je viens de faire. Par contre, oui, les suivre. T'es rigolo, toi. Je sais même pas où qu'ils sont. Je sais même pas où qu'ils sont, Nada et Polo. Ah, il me faut une cellule de distorsion. Pour ça, il me faut de l'antimatière. Il faut donc de la vapeur à électrons. Il faut donc un fluide en suspension. Fluide en suspension, je ne l'ai pas. Donc c'est pas véritablement module à neutrinos. Ce plan est déjà connu, d'accord. Du fluide en suspension, du fer, d'accord. Alors il y a de l'or, donc du zinc, d'accord. Ouais, je vois du vert, donc je me dis fluide en suspension, tout ça, non? Apparemment non. Hein. Par contre, je suis curieux d'aller voir ce que c'est que ces bestioles. Ces bestioles qui volaient. Ah bah merde, elles sont toutes enfuies. Ça c'est con. Bah, grosse bébête. Du carbone en grosse quantité, c'est intéressant. Hop. Ici on a quoi? Hop, perle de fascination. Dommage. Parce que tout ce qui est vert, ça se revient, ça se revend. Donc c'est intéressant. Voilà, je renvoie le plutonium et tout ce qui va avec. Vous voyez. Tout ce qui peut aller sur place dans le vaisseau. Crac. Porte-bonheur Gex, ce qui fait que j'ai deux objets à vendre, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, il faudrait absolument que je trouve plus de choses intéressantes. Pour tout ce qui est. Mince, c'est quoi ça? Isotope. Tout ce qui est recharge de vaisseau, en l'occurrence. Ah, et voilà. Donc, au final, je suis pas encore indépendant. Via les terminaux de commerce. Est-ce qu'on fouille un petit peu la zone? Oui. Je voulais voir si je pouvais vider le truc, mais apparemment. Alors là-bas il y a un truc, là-bas aussi.
on y va. On y va. Vu qu'on a deux l'un à côté de l'autre, on va aller voir vite fait. Hop, on va s'arrêter là, on verra bien si c'est pas. Oh, c'est quoi ce truc vert là-bas? Juste à côté. Ah, c'est plus haut, mince. Mince. Il y a du vert là-bas. Ah bah. Merde, j'aimerais bien essayer. Qu'est-ce que. C'est une plante. Calmez-vous, chers amis. Ah, mais je vais être hors de portée. Ils veulent pas se poser en plus. Hein. Hop. Et elle donne du platine. Merde, c'est pas ce que je voulais que ce soit. Oh si, attendez. Si c'est bon. C'est un truc de marchand, finalement. Qui a été complètement pillé, mais c'est un truc de marchand. Tant mieux. Marée de Dédile. Sympa. Hop. Du coup, je peux peut-être en acheter ici, ça coûte cher. Fluide en suspension. Alors attendez, d'ailleurs, on va vendre nos saloperies à nous. Voilà. Tout ça, c'est fait pour être vendu, donc il faut les vendre. Hein. Tout ce qui est vert, apparemment, c'est fait pour être vendu, d'après ce que j'ai compris. Dites-moi si je me trompe. Hein. Plasma instable, non. Voilà, ça coûte 20 000 unités. Putain, ça coûte la peau du cul. Ça coûte la peau du cul. Voilà, j'ai tout acheté. Est-ce que je peux me barrer, s'il te plaît? Merci. J'espère que t'es content, hein. Wow. Serviable, herbivore. Bah putain, j'ai du bol. Cette bébête. J'aimerais bien pouvoir scanner celles-là, elles sont jolies. Donc tab, on va arrêter de flâner, chers amis. Hop. Ok. Faire un peu plus de tanium. Voilà. J'ai pris deux antimatières donc, du coup, pour pouvoir recharger à 40%. Notre truc. Maintenant, on va retourner sur le vaisseau, je pense. Hop, voilà. Peut-être refaire le plein de nos systèmes de survie quand même. Peut-être pas mal. On va mettre du carbone. Ici. Du zinc. Pour le vaisseau, est-ce qu'on a besoin de charger des choses? Effectivement, on a besoin d'un petit peu charger quelques petites choses. Hop. Et pour ça, j'aimerais. Oh, non, justement, non, faudrait mieux que je le. Voilà. Que je fasse le plein. Hop. On va essayer de se rendre rapidement. Ici, voilà. On va essayer de remonter dans le vaisseau. Voilà, c'est bon. Et on va se barrer. On va se barrer comme on a fait tout à l'heure. On va récupérer du time-up dans l'espace. Hop, une fois qu'on verra les premiers cailloux, bah voilà, on peut déjà arrêter. Hop. Hop. Ah. Les contrôles sont très particuliers. Qu'est-ce que... Casse-toi. Ah merde. Aucun emplacement libre. Aucun emplacement libre. Ah bon? Pourquoi? Hop. Parce que le timer est récupéré par l'inventaire du vaisseau. Oula, il y a un truc qui m'est passé à côté de la tronche. C'est pas grave. Fabriquer. Ok, vaisseau. Oui, je vois bien que ça s'approche, n'inquiétez pas. Hein.
Hop. C'est quoi ça? Du cuivre encore, d'accord. Ok. C'est fait. Ok, bon. M, ils nous disent. Donc. Itinéraire vers le centre de la galaxie et où... Ah oui, c'est vrai, c'est E et Q, c'est très logique. C'est joli. C'est très joli. Mais du coup, je sais pas où ils sont, mes amis, moi, de... C'est rigolo, ça. Bon, bah écoutez, on y va. Je sais pas dans quel système ils sont. C'est débile. Oh là là. Ok, donc là je suis dans un truc au pif. Monolithe extraterrestre détecté. D'accord, oula. Juste à côté de la station, c'est cool. Trouvez-nous, entendez-nous, l'Atlas. C'est pas ça, moi j'aimerais retrouver mes copains. Attendez, je cherche. Des gros de bruit, effectivement, il y a des gros trucs qui sont arrivés. Bon. C'est rigolo, vous, mais bon. On va aller voir sur la planète avec le monolithe, hein. Mais bon, c'est. Moi, j'aurais bien aimé retrouver mes copains et j'ai l'impression d'avoir foiré quelque chose. Voilà, voyez le problème, c'est qu'on n'est pas assez. On est tenu vraiment par la manche et c'est. C'est très aléatoire, finalement. Et j'aime pas du tout ça. Soit on est tenu par la main et dans ce cas-là, y a pas de souci, on trouve tout ce qu'on veut. Soit on nous dit de chercher et dans ce cas-là, on cherche. Mais là, le fait d'être justement tenu par la manche, ça nous envoie dans des directions, enfin ça nous donne des débuts de piste, mais sans aucun indice qui suive, c'est embêtant. Ça m'embête, je vais regarder sur le net, mais ça m'embête. Ça m'embête. Bon. Ça m'embête, honnêtement ça m'embête. Et ouais, non, là ça m'embête. Oh, c'est joli comme planète. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Hop, on arrive. Oula, j'espère que je me suis pas, j'ai pas atterri dessus. Non, c'est bon, je suis un peu plus loin. Planète de glace, météo froide, sentinelle normale, abondant, flore abondante, faune typique. D'accord. Ok, la bestiole aux boobs. Craintif. Ça absorbe les substances nutritives. D'accord. Là, il y a un gros trou. Là, il y a un gros trou. Oulala, mais je vais pas pouvoir traverser tout ça, moi. Oh là. Chut! Taisez-vous! Allez, recharge! Ouais, il y a de l'eau. Ça fait bizarre d'avoir de l'eau comme ça. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu es, toi? Babustus, bah j'ai envie de le truc. D'accord, ok. Ah! J'ai vu un E!
Écoutez nos paroles. Oui, c'est l'Atlas, donc c'est pas ce que je... Enfin, c'est pas les... Je crois que c'était les copains. Les copains, les copains. Y'a un vaisseau ? Y'a un vaisseau ? Enfin, je rêve pas, c'est pas... Je pouvais pas être si proche et m'être planté à ce point. Je suis mouillé, d'accord, oui, ok, je capte. Je pouvais pas être si proche et m'être planté. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je me suis planté d'endroit, complètement ? D'accord, ok. Salut ! C'est pas grave, hein. On va faire comme si vous n'aviez rien vu. Est-ce que vous avez vu quelque chose ? Ah, mais moi non. Moi je n'ai rien vu. Hello there ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bonjour ! Vestige de Camparel, suivez l'Atlas, obéissez à l'Atlas, acceptez votre récompense. Le monolithe se dresse silencieux sur la surface de la planète. Il n'a pas sa place ici, moi non plus. Un scintillement, puis la vision de l'orbe rouge revient à l'Atlas et il me parle à nouveau. L'Atlas me propose une direction, un but, une signification, une importance au milieu d'une galaxie indifférente. Tout ce que j'ai à faire est de suivre sa voie et ses ordres. Croire la promesse de l'Atlas. Je vois des lignes de code, des séries de chiffres, puis une structure étrange. J'ai la conviction qu'un immense pouvoir m'attend si seulement je parviens à atteindre ce lieu lointain. L'orbe rouge disparaît, ce qu'il me reste, je n'ai pas eu le temps de le mettre. Élevez-vous jusqu'aux étoiles, d'accord, ok. Pierre de Savoir, bonjour. Donner, oula. Non, je ne fais pas de dons, moi. Je suis désolé. Étape de voyage atteinte, encore. Débutant, moi après 8, ça va faire 9 maintenant en plus. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu. D'accord, d'accord. Protection thermique. Ok, voilà. Crac, bon. J'aime bien cette planète, cependant, le fait que l'on doive se soigner tout le temps, je pense. Si on a quelque chose de sympa, à ce qu'elle est dans le coin. Ok. Tout n'est pas cassable. Dommage. Mais bon, plus. Oh là, bon, plus. Oh là, je vois un, oh là, je vois un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça m'a pas l'air d'être une maison, donc ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai envie d'aller voir ce que ça... J'ai envie d'aller voir... Ça se trouve c'est rien, hein. Déjà ? Si haut ? Ah oui, d'accord. De l'or, c'est bien ce qui me semblait. J'espère que ça se vend aussi bien que ce que je pense. Hop. Hop. Voilà. Toujours un peu plus d'or, hein. On est à combien d'or sur nous ? 92, sympa. Hop. Hop. Voilà. Je récupère toujours toute l'or, hein. Je pense que ça va être sympa plus tard quand on pourra leur vendre. Y'a pas le... Là on a 32 000 unités. Sympa. C'est
Sympa, sympa. Hop. C'est là vous allez me donner une astuce pour tout choper d'un seul coup, vous allez voir. Ça va être ça. Genre utiliser le vaisseau, maintenant n'importe quoi. Hop. En tout cas, on se fait littéralement de l'or en barre. Hein. Ou des couilles en or, ça dépend comme vous voulez. Hein. Hop. D'accord, donc on a 55 000 crédits sur nous en or. Ça, ça fait pas du bien, chers amis. Ça se trouve, c'est rien. Ça se trouve, la somme, elle est modique. Mais ce n'est pas grave. Je suis très content de l'avoir, cette somme. Par contre, j'ai perdu mon vaisseau. Il est là-haut. J'ai réussi à le coller sur le seul caillou aux environs. Hop, on y va. Hop, je voulais voir ce que c'était. Maintenant, je suis au courant. Je vois une espèce de trait là, non? Il y a un trait là, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Je l'ai un jeu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Du cuivre. J'en ai déjà un paquet. Ok. Par contre, ouais, non, ça me consomme du machin à décalage. Ah, ouais, faut que je lui pense à ça aussi. Hop. Si, bon. Planète de glace. Bah, finalement, il n'y a pas grand chose à. Pas beaucoup de vie sur cette. Bon. Là, il y aura rien. On est dans l'eau. Je vais quand même pas me poser dans l'eau. Je vais quand même pas me poser dans l'eau. Sérieux? Oula. Bon, bizarre. Bizarre. Recharge du scanner. En plus, il recharge. D'accord. Bon. Notre coup de scan. Ah, là, il y a quelque chose, mais c'est encore une fois dans l'eau. C'est embêtant. Bon, on va aller voir. J'entends votre réclamation, chers amis, pour que j'aille voir, donc on va aller voir. Hop. Écoute. Les terres sont dans l'eau. What the fuck? Il y avait une crevasse, hein. Il y avait une crevasse. Et elle est pour moi. Hein. Bon, apparemment, je ne sais pas nager, c'est cool. Et l'eau est apparemment très très froide. On peut pas utiliser le boost, c'est dommage. D'accord, c'est un... D'accord. Ça c'est l'oxygène, la goutte, hein, c'est très logique. What the... Oh putain, il y a profond, ouais. Ok, on y va. On plonge. Ok. Qu'est-ce que c'est? Hommage à... Je convulse sur ton lama pour tuer le super monument de pierre et mon esprit s'emplit de savoir mortel de la véritable histoire de des geeks. Plague Geek. Nous sommes les maîtres des galaxies, les seigneurs du cosmos, nos ennemis ne se prosterneront devant la puissante domination Geek. Nous sommes les premiers nés, observer notre œuvre et désespérer, demander l'aide pour comprendre la langue des Geek, donc du coup. Ma connaissance des Geek est accrue, j'imagine. Oui, là, c'est ça. On peut remonter maintenant, s'il te plaît. Babel 17, ha. T'es rigolo, jeu. Hop, est-ce qu'on peut remonter plus vite? Je le sens mal. Pas maintenant. Mon vaisseau, il est par là. Ouh, dis donc. Confus, mot appris, d'accord.
Bon, j'imagine que la quête du langage est très très longue. Et mis à part ça, nager le crawl, tu connais? Apparemment non. Hein. Oh là là, les planètes de type O, ben voilà. Voilà ce qu'on va en faire des planètes de type O, je pense. Ok. Ok. Très très bien par contre au niveau de l'or, hein, mais pour le reste. Ok. Aïe. Voilà, ça j'aurais dû m'en douter. Allez, on monte. On va aller sur la station spatiale du coin. Hop. Proche, proche. Eh bah écoute, je me casse, ça te casse, ça tombe bien. Et 3, 2, 1, ça va être bon. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une station dans le coin ou pas? Un bâtiment abandonné détecté, la station elle est où? Eh ben, je me doute bien que c'est sur la planète hein, ou quelque part dans le coin. On cherche la station s'il vous plaît, là-bas. Hop, c'est parti. Ok, on va essayer d'aller jusqu'à la station. Je suis curieux d'aller voir ce qu'on va y trouver. Surtout je veux vendre tout l'or et les trucs que j'ai en verre là. Tous les trucs verts que j'ai, j'aimerais les vendre. Ça serait peut-être pas mal. Par contre ça m'embête pour les deux trous du cul. D'accord, ok, bah j'ai compris. Il y a un mec qui a pas spoilé, il a dit continue la quête. Si tu les trouves pas, c'est que t'as pas super avancé. Ok, si tu veux. Oh là, non. Oh putain. Ça c'est débile. Rayon tracteur. Merci. Parce que c'est clairement ça, hein, c'est un rayon tracteur comme dans Star Wars hein. Cherchez pas plus loin. Apparemment, il y a un autre vaisseau à côté, le Azawaza Kai S77. La vache, il est joli. Oh, il est sublime. Il est sublime. Oh la vache, il y en a deux. Même s'il y a 10 secondes, j'aurais cru voir un autre vaisseau ici. Mais waouh, il est sublime ce vaisseau. Oh, puis il a son droïde. Il a son droïde. Oh la gueule. Je suis jaloux. Non! Commences-tu à avoir ton propre droïde? Oh! Oui, reprends ton souffle, mon ami. Y'a personne? Hello? Hello? Hello, hello? Non? Non, y'a. Y'a personne. Je suis tombé sur la seule station où il n'y a pas. Un vendeur. Où il n'y a pas. Ah si, il est là, putain. J'allais dire, je n'en avais pas. Mais mince alors. Bon, vendre les articles de vos inventaires. Pourtant, il dit bien de vos inventaires. Bah écoute, je vais vendre déjà tout ça. Bouffe. C'est parce qu'ils sont pas dans mes inventaires à moi, c'est ça? Ah oui, non mais, je suis trop con, regardez. Je suis trop con. Voilà. Du cuivre, 196. Bah écoute, je vends. J'en ai pas des reliques geek. Bon bah si tu le dis, Pierre Atlas, d'accord. C'est ce qui l'intéresse j'imagine aussi. J'imagine que c'est ce qui l'intéresse aussi. Ok, bon. Bah écoute, pourquoi pas. Acheter des articles sur le réseau commercial galactique. D'accord. Ça coûte un prix de connerie, ça. Hein. Fluide de suspension, 21 000. Vache. Ok, bon bah écoute. On va le prendre. Hein. Est-ce que je peux ressauter encore une fois?
Oui, apparemment, je peux re-sauter encore une fois. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour cet épisode. Oui, on va se laisser là, ça fait presque pratiquement une heure, je crois, qu'il a commencé. Donc encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on n'a pas trouvé le lien dans la bannière de la chaîne. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo. Je sais pas si on peut sauvegarder sur une station, ah. Attendez, faut que je vérifie parce que... Ah bah je suis trop con, il y a un truc, il y a un système. Regardez, ici. C'est pas là, dans les options. Options. Midi 27, chargé dernière sauvegarde. Midi 27. Il est 30. Hein. Si je peux, je vais essayer de rentrer et de ressortir pour voir si ça marche. À moins que ça marche à ce moment là précisément. Ça aurait été cool. Oh, ils sont sublimes tous ces vaisseaux. Ok. Bon. On rentre dans notre vaisseau à nous. Est-ce que ça sauvegarde? Vite fait, je vérifie maintenant. Hop, 27, donc non. Si je décolle, peut-être qu'il va sauvegarder. Ok, je viens de péter un vaisseau qui était devant moi. Soyons honnêtes, ça vient d'arriver. Hein. Ok, et si je rentre dans la station? Que ça sauvegarde ou pas? Est-ce que ça sauvegarde à ce moment précis? J'aimerais bien. Le système de sauvegarde par point quoi, mais c'est saut 94 quoi. Même Pokémon il avait pas fait ça comme ça à l'époque. Point de restauration enregistré, donc normalement là c'est sauvegardé. Oui, c'est bon. Eh ben salut les gens, voilà. Puis si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein, bien sûr. Merci. Merci à vous.